Salut la team, c'est Bobby, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven, du coup le let's play numéro 2, comme j'ai dit les let's play sortiront le jeudi et le dimanche sur ma chaîne à 17h, le premier let's play sorti le vendredi parce que j'avais une coupure d'internet toute la journée du jeudi, du coup j'ai sorti le vendredi exceptionnellement, mais ça sera bien le jeudi et le dimanche, en tout cas pour l'instant. Après il y a d'autres jeux que j'attends qui vont arriver, donc selon les mises à jour et tout ça, comment ça se passe, on adaptera, mais pour l'instant ça sera bien le jeudi et le dimanche à 17h. Donc ce match il m'a rendu complètement fou, c'était contre Occult, entre les misclics, les bugs quand des fois le joueur faisait une passe tout seul alors qu'on voyait bien que j'avais pas cliqué. Entre les moments où justement les misclics, quand moi je clique à faire une passe alors que j'aurais pas dû et que je fais même pas exprès, et à la fin, vers la fin du live, on m'a expliqué des petits glitches comme mettre pause pour diriger les joueurs et compagnie. Apparemment la méta sur le jeu c'est de mettre pause, faire la passe, faire partir les joueurs et tout, donc ça m'a rendu complètement fou, on a galéré mais on a bien quand même rigolé, hein, on s'est marré. Du coup je t'invite à rejoindre la chaîne Twitch, hein, pour suivre les prochains lives sur le jeu, tout ça. Et venir me donner tes conseils parce que je suis éclaté au sol, mais bon, on rigole bien quand même. Je te laisse avec le let's play, c'est parti. Chapitre 2, sur le chemin de notre rêve. Je suis Aikil Jide, l'entraîneur du club d'Occult. Merci de nous recevoir ce jour. Ravi de vous rencontrer et tâchons de faire un bon match. Vous allez vivre un enfer. Ils sont vraiment flippants, ils ont des têtes de films d'horreur. C'est juste du bluff. Passez-moi un maximum le ballon et faites-moi confiance, ils vont tâter de mon choc du dragon. Tout le monde se calme, tout ira bien. Si on fait comme à l'entraînement, je ne suis pas rassuré, cette équipe dégage vraiment quelque chose d'étrange. Allez, c'est parti. Ok, donc là, mais Kevin à côté d'Axel. Ouais, mais Shadow sur l'aile pour ce match, ok. Ok, allez. C'est parti. Allez. Allez, on va tacler. Ok. Voilà Axel. Oui, il redégage. Pourquoi tu fais ça, Axel? Contrôle! Allez, Axel! Allez, Axel! Attends, attends, hâte de feu! Allez, Axel! Et Axel est tanné, là! Voilà, Axel! Let's go! On se le remet au ralenti pour le fun! Ah, ça golasso! C'est vrai. Ah, par contre, c'est vraiment le GOAT, Axel! Et bim! Oui, monsieur! Bah après, je fais pas trop le beau, j'ai marqué dans la cage, on sait ce que ça signifie. On va se prendre au moins un but dans le match. Vous êtes plus doué que prévu, je reconnais bien là le club du foot de Raymond. Bande de microbes, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Quoi? Vous ne trouvez pas qu'entraîneur de culte est bizarre tout à coup? Ah ouais frère, la double personnalité. Talisman, c'est le moment. Fais-le regretter d'être venu au monde. Avec plaisir. Les types d'occultes gesticulent bizarrement. Allez. On l'a éteint. Vous avez créé victoire trop vite. Il est temps pour vous de goûter à notre technique spéciale blocage spectral. Ah ouais, bon, plein match comme ça, cinématique. Pour ceux qui doivent quitter tout ça, il y a le let's play qui sortira de toute demain sur la chaîne. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait une des malédictions de l'équipe d'Occulte.
Mes jambes, je ne peux plus bouger. À nous de jouer. Tenté, détenté. Ah, c'est vrai qu'il disait ça. Tenté, détenté. Yes, merci Fidzi. Alors, et d'ailleurs, il y a le premier épisode sur la chaîne, les amis. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver impuissant ? Mange mon tir fantôme. C'est stylé, les TS, quand même, comme ça, animé pour un, quand même, un jeu de DS. Pauvre de vous, vous allez perdre sans même comprendre ce qui vous est arrivé. Vous êtes pathétique, gros nul de Raymond. Bah ça va, frère, tu joues contre des enfants de 12 ans. Qu'est-ce qui leur prend ? Ils sont comme figés sur place. Zut, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne peux plus bouger d'un pouce. Je suis complètement paralysé. Leur entraîneur est vraiment louche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mince, mon corps ne répond plus. Comment je vais faire pour réaliser mon choc du dragon ? Écoutez, il faut que vous me passez le ballon. Et comment tu veux qu'on fasse ? T'aurais pas aussi perdu l'usage de tes yeux ? Ah ouais, il a pas de respect, lui. La première mi-temps s'achève en nous laissant dans cet état de paralysie totale. Nous étions totalement pétrifiés par la puissance de la malédiction de l'équipe d'Occulte. Mais une fois de plus, c'était lui qui allait nous tirer de ce mauvais pas. Et lui, on parle bien du GOAT, les amis. C'est le GOAT qui allait les tirer de ce mauvais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Personne ne bouge alors que l'adversaire attaque. C'est pas qu'on ne veuille pas bouger, c'est qu'on faisait tout simplement, on peut tout simplement pas. Passez-moi ce fichu ballon, combien de fois faut-il que je vous le répète ? Comme ça, je pourrais envoyer mon choc du dragon. On a d'autres soucis en tête, tu ne crois pas ? Qu'est-ce qui vous prend ? Arrêtez un peu de vous chamailler. Les pauvres, ils ont si peur qu'ils en viennent à se disputer. J'espère que vous êtes prêts. Prêts à vous faire mettre en pièces sans pouvoir réagir. Putain, quel crack, lui. Il est vraiment pas net, cet entraîneur. Marc, comment faire ? À ce rythme, vous êtes bon pour subir le même sort que la deuxième... En deuxième mi-temps. Je n'en ai aucune idée. On ne peut guère prendre notre courage à deux mains et avancer. On ne peut guère que prendre notre courage à deux mains, pardon, et avancer. Mais à la seconde mi-temps, on va commencer. Leur gesticulation est si... Allez, c'est parti. Beaucoup de blabla, quand même. C'est que le début, vous avez souffert notre blocage spectral. Deuxième mi-temps, c'est un peu moins sérieux. Ok, maintenant, fermez tous les yeux. Ne les regardez surtout pas. Comment ça ? Axel, on est en plein match. Il va encore faire son malin. Je ne crois pas. On dirait qu'Axel a une idée en tête. Et pour l'instant, ok, un, je peux bouger et j'ai repris le contrôle de mon corps. Comment ? C'est bien ce que je pensais. Leur blocage spectral n'est ni plus ni moins que de l'hypnose. On s'est complètement fait berner par leur apparence et leur étrange gesticulation. De l'hypnose ? Tu as observé leur mouvement pendant tout le match. Quand tu auras une occasion, fais la passe à Kevin. Ok, Gloops, tu es vraiment un grand joueur, Axel. Parvenir à une réflexion aussi poussée en plein match, moi je suis que... Qu'est-ce que je peux faire ? Et puis mince, pas de raison qu'ils fassent plus à faire. Eh bien, on va leur rendre la monnaie de leur pièce. Ah, vous avez compris, mais nous n'avons plus d'un tour dans notre sac. Ok, allez, c'est parti, on peut jouer enfin. Voilà, à deux. Ah, il nous a berné. Voilà, Nathan. Vas-y, Kevin. Passe ! Loser. Allez. Ah mince, j'ai pas eu le temps de regarder en haut, il y avait qui ? Oh. À chaque fois on se fait éteindre. Ah, c'est laisse les potes. Ouais, les TS, c'est Timmy. Max et Timmy ont des TS. Ouais, c'est vrai. Chance finira par tourner. Allez. Ah, il a pas pris le ballon. Allez. Ah, c'est lui qui l'a récupéré ? Je croyais que c'était moi qui l'avais. Ah mince, j'ai appuyé deux fois. C'est ma faute. Ah là là. J'ai appuyé deux fois.
Oh, les deux sont faits. Éteindre. Allez. Je sais pas si ça passe. Allez, Kevin Dragonfly. C'est parti. Kevin déborde d'énergie, il récupère tous ses PT. C'est parti, le choc du dragon. Let's go. Allez, Kevin. Dommage. Distorsion. Qu'est-ce qui se passe encore? Vos tirs de fillettes ne peuvent rien face à la distorsion, vous avez compris, bande de microbes. Zut, je dois faire quelque chose. Il faut mon choc du dragon résistant. Quoi? Je l'ai pourtant déjà dit. Arrête de vouloir tout faire toute seule. Tu as raison, il faut que je réfléchisse calmement. Nos techniques actuelles ne peuvent rien. Ok, allez. Il faut suivre les conseils de Marc. Seul, ça peut paraître impossible, mais en unissant nos forces, on peut aboutir à quelque chose. On n'a pas le choix. Axel, j'ai un truc à te demander. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que vous avez à papoter? Vous cherchez un moyen de nous faire du mal? Y a pas plus sérieux. C'est votre seule chance de gagner. Viens avec moi. En effet, ça pourrait marcher. Tu vas tirer en premier et je m'occupe du reste. Ouais, mais faut que j'arrive à la... Bah, c'est mort, hein, les gars. Le match, on va le refaire. Hein. Parce que là, ça va être chaud, là. Hein. Ah, ça va être mort, là. C'est mort. Bon, voilà, les amis, le let's play est terminé. Bon, au final, on a quand même réussi à passer le niveau. On a galéré, mais on a quand même réussi. Hein. Moi, je vous ai mis celui-là parce que c'est celui que j'avais tourné au début. Et les autres let's play, j'en avais tellement marre à la fin. J'ai arrêté de les enregistrer, j'ai arrêté de lire et tout. Au moins, ça fait un petit let's play un peu plus sympa comme ça. Du coup, voilà, on a quand même réussi à le passer. C'était scripté. Pour ceux qui connaissent le jeu, faut marquer absolument avec Kevin. On n'a pas le choix. Le premier but, je crois que tu peux le mettre avec n'importe qui. Et après, t'es obligé de marquer avec Kevin. Et faut faire le premier tir sera arrêté. Faut faire le deuxième tir. Voilà, et le temps joue pas en notre faveur. En fait, on a fait que des matchs nuls quasiment à chaque fois, c'était la misère. Comme j'ai dit, après on m'a appris des petits glitches, donc du coup ça allait mieux. Je pensais à faire des techniques et tout, et en fait me concentrer, le chat, pas misclic, le truc déjà avec la souris c'est pas pareil, bref, c'est une galère. Mais bon, on s'en est sorti, ça ira mieux sur les prochains lives. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça t'a plu comme d'habitude, le petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace.